Bonjour, bienvenue sur le webinaire Commence au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Poussons le débat, votre rendez-vous d'échange et de confrontation, et tout ça, bien évidemment, sans langue de voile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet parfois considéré comme un sujet sensible dans la agriculture, celui de la transition écologique. On ne va pas en parler de façon polémique, mais on va plutôt voir quels sont les attentes des agriculteurs en général, les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour réussir à cette transition écologique et au final, je veux dire aussi quels sont les objectifs sur le temps pour cette transition. Et pour en parler, je vous présente nos invités. Olivier Paul, tout d'abord, bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes président de l'Union française des semences. Présentez-vous en quelques mots. L'Union française des semences. L'Union française des semences, c'est une voie de représentative de l'industrie semencière en France. Ça regroupe environ 110 entreprises. Qui sont à la fois soit des sélectionneurs, soit des producteurs, soit des metteurs en marché, ou tout ensemble de ces trois activités. Nous, on dit bonjour. Bonjour, le sénateur de l'Ottawa. Et bien dire que vous avez la double casquette. Casquette de la politique, mais aussi casquette agriculteur. Oui, je suis producteur de l'air et avec mon épouse et mon fils. Ça permet de temps en temps de garder les pieds sur terre quand on quitte les terres de PC et du Sénat. Je pense que ça permet surtout de parler d'un sujet qu'on connaît et donc d'entendre des gens qui entendent en sens que ça nous connaît et qui donnent des temps à ce que ça fait. Quand on vous disait qu'on était pas loin de voir dans cette émission, alors on devait dire que du coup, on devait le prouver. Ça a été un bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Agriculture, en quelques secondes, c'est ça votre job. Vous êtes contrôlé les dépenses de recherche du ministère de l'Agriculture de la souveraineté alimentaire. Vous êtes porté vers les filières par les acteurs de terrain, donc c'est une étude d'innovation, et c'est aussi d'encourager le travail tellement supérieur pour lui qui est nécessaire pour accompagner les transitions de l'agriculture. Laurent Guerrero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission d'innovation de CEGLAEB, le président de l'Union des acteurs du groupe RNDP. Quand on parle de transition écologique, j'ai l'impression quand même que le mot innovation est quasiment lié à chaque fois. Évidemment, on va prendre toutes les questions pour réaliser cette transition et pour les variétés qui sont capables de s'adapter aux contraintes nouvelles et aux normes actuelles. Et on est avec les questions qui sont plus performantes et plus résilientes. Quand on parle de transition écologique, on a l'impression que c'est toujours pour montrer du doigt les agriculteurs. Or, quand on regarde l'histoire de la transition écologique, il y a longtemps pour vous, c'est une réalité de terrain, une réalité pour laquelle vous travaillez notamment à votre poste. Oui, absolument. La transition écologique, ça reste aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que, notamment, quand on regarde l'évolution climatique, on voit ces effets de plus en plus présents. Mais le travail d'innovation et d'accompagnement des agriculteurs pour leur offrir des solutions de ce sens qui leur permettent d'avoir un meilleur rendement, de faire face déjà à des conditions climatiques qui ont évolué au cours des vents, qui se trouvent pour cela très fortes, notamment le bois et le maïs qui, au cours des dernières années, ne sont plus 30% de l'environnement. Donc ce travail-là, il est déjà fait depuis longtemps, mais il doit être fait. Avec le rendez-vous, on sait que les agriculteurs n'ont pas attendu qu'on leur dise « Ah, faites de la transition écologique pour la faire moins. » Bon, la réalité, c'est que l'agriculture s'est toujours adaptée depuis des millénaires. Et elle le fait encore. La problématique, c'est quand on fait de l'écologie un dogme et que la solution d'un dogme de l'espérance, c'est de donner des obligations et souvent des injonctions contradictoires, et souvent l'agriculteur ne comprend pas. Ce qu'il faut, c'est non seulement lui donner le temps nécessaire pour qu'il s'adapte, mais aussi avoir le courage de les donner les moyens avec lesquels ils s'adaptent. Et c'est vrai que le terme sur les plans, si aujourd'hui on n'évolue pas sur les méthodes FPT et autres qui peuvent favoriser le principe de trouver des plans qui sont plus résistants, soit aux maladies, soit aux évolutions climatiques, eh bien c'est se mettre dans le corner de l'évolution. Et donc il faut bien sûr avoir des innovations, mais aussi il faut que donner le temps nécessaire pour que les agriculteurs puissent mettre non seulement ces innovations, mais aussi au service, je dirais, de l'agriculture, mais aussi trouver les moyens pour le faire, parce que ça demande aussi des investissements. Souvent, je le dis, l'agriculture, c'est quand même du plus loin. Il faut investir 7 euros génération après génération, ça fait 1 euro de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il faut du temps. Mais ça veut dire aussi que ça l'air, quand on ferme des exploitations agricoles, on ne les rouvrira pas, parce qu'il y a
le plan actuel qui peut permettre de mettre 7 euros d'investissement pour trouver un nouveau chiffre d'affaires. Donc on doit les préserver, et donc les préserver, c'est non seulement les consulter, mais aussi leur donner le temps nécessaire pour qu'ils soient libres de faire cette, ce principe-là et de les accompagner financièrement aussi pour qu'ils aient les moyens de pouvoir les faire. Et la question qui est importante, c'est celle du temps sur lequel le temps, j'allais dire, de la recherche. J'espère que vous connaissez bien le temps des attentes à l'école et la fortiori des attentes sociétales, sont les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, tout à fait, la recherche, notamment la recherche académique, la recherche fondamentale est sur du temps long. Il faut aussi, finalement, aussi comme l'indiqué le sénateur, investir aussi sur du temps long. Et parfois, on récupère cet investissement par des innovations de rupture, ce qui est le cas dans les secteurs des sciences et de la connaissance, puisque c'est un exemple où les étudiants peuvent bénéficier de ces innovations parce qu'il y a eu une recherche académique de long cours avant. Donc, il faut continuer cette recherche académique au plus haut niveau mondial, il y en a besoin. Et en même temps, il faut inclure et accompagner les agriculteurs pour la définition des besoins de recherche pour pouvoir orienter cette recherche vers des besoins de terrain. En matière de recherche, est-ce qu'il y a d'un côté les grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INRAE, le CIRA ou autre, et puis de l'autre côté les centres techniques, les centres techniques qui sont en grande partie financés par les producteurs, par les agriculteurs, et est-ce que ces gens-là travaillent ensemble ou est-ce que c'est chacun chez soi et les équipes bleues sont l'INRAE? Oui, il semble que l'INRAE en particulier ou aussi ce qui rentre dans les territoires et les régions du CNRS, de façon coordonnée avec les universités, notamment les instituts techniques agricoles, qui sont les premiers voisins en matière de recherche appliquée. Il y a quelques semaines, l'INRAE a signé une convention de partenariat avec ACTA, qui est l'institut qui coordonne les instituts techniques agricoles. Donc, oui, cette relation est organisée, nous, il y a des ministères de l'agriculture, notamment pour faire des dispositifs de financement qui permettent des hybrides. On a aussi voir quels sont les engagements aujourd'hui, les attentes des agriculteurs, l'environnement. Je le disais tout à l'heure, vous avez aussi votre casquette de président du directoire du groupe agricole. Est-ce que vous entendez ces demandes aujourd'hui, vous entendez ces nouveaux besoins des agriculteurs? Oui, donc aujourd'hui, les agriculteurs ont des nouvelles variétés qui sont beaucoup plus diversifiées. Il faut lever un certain nombre de contraintes. La réduction du service de protection des plantes, le lutte contre le changement climatique, c'est vrai qu'une des solutions les plus évidentes pour l'agriculteur est d'avoir la variété d'un peu partout qui permet d'atteindre les contraintes. Vous parlez du temps, le temps de la sélection est également un temps long, il nous faut 8 à 10 ans pour créer une variété en moyenne, et donc tous les outils qui nous permettront de raccourcir cette durée de sélection pour fournir des variétés plus adaptées des plantes sont assez précieux pour immédiatement aux attentes des producteurs. Alors, on a un vrai problème, Laurent Dubois, en France, c'est qu'on a une sorte de pacte magique, on décide de quelque chose, on dit ah oui, il faut qu'on fasse une transition écologique, il faut qu'on se bagarre, mais on veut se faire tout de suite, Alors que vous, les politiques, mais surtout les agriculteurs comme vous, ne pouvez pas répondre forcément tout de suite aux personnes sociétales. Par exemple, le problème, c'est que le politique n'a pas à s'adapter au populisme. Donc il doit donner aussi les moyens par la loi d'organiser les choses, de planifier les choses, d'avoir une stratégie pour atteindre un objectif. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est censé, regardez là encore, nous allons une loi Egalim 4, 6 ans, 4 lois Egalim, traiter des problèmes commerciaux. Si on est censé faire un fonctionnement, l'agriculteur ne sait pas faire. Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas réussir dans cette zone où on lui dit, bah, il n'a pas fait que dans la présence, c'est pas fait que vous connaissez votre voiture, c'est exactement l'inverse. Et s'il ne comprend pas, parce que le contact qui est un peu souvent du côté des agriculteurs, c'est des agriculteurs contradictoires. C'est-à-dire quand on leur demande de changer, et que cette personne qui voit en conférence et les produits, qui ne correspondent pas au modèle qu'on lui demande d'apprendre. Et donc tout ça, c'est des efforts qui font de la concurrence déloyale, qui vont qu'à un moment donné, l'agriculteur se dit, mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Et puis je ne comprends plus du tout à quoi il sert. Et donc c'est ce qui explique pourquoi la plupart des agriculteurs ont été dans la rue ces quelques semaines, parce qu'ils ont eu marre de ce message qui n'a plus aucun sens et qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculteur est totalement dégoûté. Face à tout ça, vous vous retrouvez, vous, Olivier Poël, comme président de l'Union française des semenciers, parce que c'est votre fonction de contradicteur quelque part à Paris aussi chez vous.
que la recherche, ça prend du temps. Donc, on a besoin que cette transformation, elle s'accompagne de temps, de se porter une vraie solution, pour qu'on revienne au public de la question par sa solution. Et c'est ça le sujet. Il faut laisser le temps à la recherche pour pouvoir trouver des solutions et plus adaptées pour pouvoir apporter des solutions au monde agricole. Et après, nous, en tant que producteurs de semences, on se retrouve confronté à seulement une même problématique que nos agriculteurs, avec au-dessus de leur problématique et des problématiques techniques qu'on leur impose, parce que faire de la semence, c'est très technique, c'est plus compliqué que faire de la commodité. Et on a toutes les problématiques de la commodité sur l'accès à l'eau, sur la surtransposition et sur la surtransposition pour qu'on nous interdit des enfants et des étudiants. Donc tout ça doit s'accompagner. Il n'y a aucun débat dans notre société, je pense, sur le fait qu'on peut avancer par rapport à la transition. Le changement climatique, dans les campagnes, on dit tous les jours, bien sûr qu'on veut limiter contre, bien sûr qu'on veut s'adapter, ça prend un peu de temps et ça nécessite de l'accompagnement. De l'accompagnement, notamment de l'accompagnement financier, alors, c'est le cas où on entend cette petite politique, y compris ici au Salon de l'agriculture, dire oui, parce qu'il y a beau tout ça. Mais par exemple, les entreprises financières, compliqué pour elles d'avoir accès à France Relance, par exemple, compliqué d'avoir accès au financement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Est-ce que vous entendez cette inquiétude des entreprises financières qui sont quand même essentielles pour la suite? Oui, par contre, on a entendu, on dirait que en fait, ce diagnostic, c'est effectivement ce qui est important en manque de moyens qu'il y a, que la complexité de la recherche. Et donc, finalement, ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est dans les moyens techniques et dans la géométrie qu'ils ont aujourd'hui, faciliter leur accès, travailler ensemble pour pouvoir aider les équipes des entreprises et des filières concernées à aller chercher ces financements, et dans ceux qui vont venir, anticiper les besoins, travailler ensemble pour les programmer ensemble pour qu'ils puissent être plus facilement intégrés et mobilisés par les équipes. Laurent Guérin, moi, je voudrais qu'on fasse aussi un petit peu de l'autre chose. La transition écologique, quand on est dans un système bleu, sur le bocal, sur le coltan, on comprend à peu près les enjeux. Quand on parle de transition écologique dans le secteur de semences, c'est un peu plus dur pour le combat des mortels et le combat des journalistes dont je fais partie. Alors expliquez-nous comment on travaille sur la transition dans le secteur de semences. Nous donne accès à de nouveaux outils ou à des nouvelles méthodologies et bien évidemment, effectivement, ça nous permet
poste avec. Compliqué d'être dans les clous par rapport à cette nouvelle réglementation, ce nouveau paquet de semences ou pas? Compliqué, non, tout l'enjeu, on termine dans l'ordre, ça passe par les variables. Il y a des modifications, mais tout l'enjeu que l'on voit derrière, c'est que vraiment il faut décider. Et il faut que les étudiants se prennent de façon à ce que nous, on ait la visibilité pour savoir où on va. On parle d'investissement massif à faire. Que d'autres continents sont déjà engagés sur le sujet, et là on attend et on prend du retard. Donc tout le retard que l'on prend aujourd'hui, bah, ça va être difficile de le rattraper, donc il est urgent de décider. Là, on est en train de mal constat dans le monde agricole que vous vivez au quotidien, c'est qu'il y a effectivement des nouvelles directives, des nouveaux objectifs, des nouvelles décisions, mais qu'il n'y a pas derrière, j'allais dire, les moyens de le faire. Transparence,
sein de leur cercle. C'est-à-dire que c'est une société où on n'était pas plus, mais c'est autant qu'on s'en revient pas de forme. Au sens, peut-être, le niveau que le sénateur dans l'Université générale, il peut y avoir des débats. Et je pense que je ne peux pas vous dire qu'on est dans l'Université générale, qu'on va le faire reporter. Et je pense, il me semble, mais en tout cas, le service que je pense pouvoir dire, c'est que l'Université est un établissement public qui est au service de la nation, mais c'est politique publique. Comment vous dites le en complément, je pense que c'est très pour réaligner tout le monde aujourd'hui. On a la chance aussi de positiver, de voir arriver, soutenu par le ministère de l'Intérieur, de nouveaux acteurs, à projet de nouvelles initiatives. Donc, toutes les gens, bonne volonté, se retrouvent pour venir apporter des solutions à l'agroécologie. Je pense que c'est très important parce que les issues de crise, comme on le disait, on ne va pas commencer. Il n'y aura pas de réponse à l'agroécologie sans réponse multiple. Non seulement des plantes, mais c'est des changements agriculturels, c'est éventuellement des biostimulants qui peuvent permettre donc certaines solutions plurielles qui vont reconstruire pour essayer de répondre à ces problèmes. Alors, on parle beaucoup de nouvelles variétés, de recherche variétale, d'acteurs de la recherche, mais est-ce qu'il y a pas aussi des choses qui sont arrivées aujourd'hui? Vous réagissez tout à l'heure, je disais pas pour les rendez-vous, on parlait de l'eau. L'eau pour vous, dans vos secteurs, c'est capital. Aujourd'hui, l'eau, c'est un problème. On a vu ces dernières années, ces derniers mois, des manifestations contre ce qu'on appelle de façon assez impropre les méga-bassines. Le problème, juste pour vous dire, tout le monde peut mettre des heures sur son balcon. Qu'est-ce que fait la personne qui a un peu de bon sens? Une fois qu'il a planté ses fleurs, la première chose qui fait, c'est qu'il la rose. Pour éviter qu'une fois qu'il est planté, elle ne sèche pas. Et qu'à chaque fois qu'il faut qu'elle voit qu'elle a besoin d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il tire l'eau et la rose. Et pour qu'on puisse interdire aux paysans qui vont faire les affaires en l'air? Alors, pas en fait, c'est un question de perspective. C'est la première grande de l'alimentation. Simplement, c'est un plan qu'on a eu. Et si on n'est pas capable de produire localement, derrière, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'alimentation. Donc, oui, dans le plan de l'eau, il y a une sécurisation du secteur de la semence. La problématique, c'est pour la question. L'an passé, il y a aussi une seule interdiction pour tirer de l'eau. Cinq ont autorisé les semenciers à arroser. Et pas plus à arroser avec saison. Donc ça veut dire que dans tout arrêté, la semence n'est pas importante. Et là, c'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'on ne mesure pas la portée et la nécessité de cette semence dans la couverture alimentaire et dans l'importance de la semence dans l'agriculture et dans notre nourriture. Et comment vous expliquez justement cette ce côté de ce qu'on ne prend pas en conscience, on n'a pas conscience que la semence, c'est quand même la base de la base. Donc, dans les livres d'école, je pense qu'il y a effectivement un petit peu plus haut, une pédagogie, il y a absolument une pédagogie que l'on doit donner de façon à apporter ce discours. Ce n'est pas dans les livres d'école, donc on a effectivement une responsabilité de faire connaître nos métiers, de faire connaître l'importance de la semence au sein de l'agriculture et au sein du système alimentaire français. Question pour vous, Laurent Guerreau. Moi, quand je prépare cette émission, je me dis bon, ok, on va nous préparer des nouvelles variétés, ok, l'Union européenne va nous autoriser les nouvelles technologies comme les biotechnologies. Qui d'ailleurs, pour le rappeler en personne, et en tant que contrôle de leur diplôme, a valu quand même dans la France en pré-d'abord, ce qui est quand même pas rien. Mais est-ce qu'on pourrait pas ressortir du placard des vieilles variétés? Des variétés qui étaient à une certaine époque plutôt résistantes, plutôt bien, mais qu'on a abandonnées pour différentes raisons, notamment pour des questions de rentabilité, de rendement à l'hectare, et tout donc. Je comprends la question du détenu. Je fais de l'air. Non, c'est pas mon cas. Je vais dire qu'on peut faire une autre question. Non, mais aujourd'hui, c'est très peu complémentaire. Notamment dans notre profession, c'est marié. On a mis en place des plateformes. Parce qu'on voulait savoir un peu ce qu'il faut et avoir une réponse plus construite. On a mis des variétés cultivées sur les 30 dernières années. Donc, c'est une même question. C'est leur réflexion. Et ce qu'on a vu, c'est toutes les variétés les plus
Rochelle, quand on parle de Rochelle, tout d'abord aujourd'hui, les grandes lignes des travaux de recherche, notamment en matière de recherche publique, à Nantes, ça va dans quel sens? C'est l'extrait hydrénique, c'est quoi? Je pense qu'on n'a pas beaucoup assez de temps pour retenir tout le programme d'experts qui arrive dans toutes ces dimensions. Mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire là, c'est que la transition agroécologique était partie désormais des grands objectifs généraux. C'est marqué, comme vous dites, dans son bon droit d'objectif, dans son programme d'action scientifique. C'est un peu le travail de ces chercheurs. Mais il fallait chercher à la fois de chercher fondamental, c'est vraiment parce que tout le monde en a besoin. Parce que c'est de là qu'il y a une dimension de l'option, un certain nombre de techniques, et qui peut être capable au meilleur niveau mondial pour garder aussi la souveraineté intellectuelle sur ce sujet, donc ça, il y a là-dessus, tout en aussi conduisant des recherches avec aussi avec des agriculteurs sur le terrain, à travers notamment des partenaires de l'Institut technique donc il arrive, là encore en résumant, et peut-être de couvrir l'ensemble de ces façons de faire de la recherche et on l'accompagne dans un temps. 146 millions d'euros, c'est a priori ce qui va être mis sur la table pour la recherche, pour le cadre du plan éco-phyto. Là encore, on pourrait dire, comme le disait Laurent Pézodola, le 8e plan éco-phyto. 146 millions, c'est suffisant pour ça. Parce que quelque part, l'éco-phyto va vous conduire à la transition écologique. Je ne reviendrai pas à cette idée-là. Nous, aujourd'hui, la recherche en France, 3 000 chercheurs, on dépense à peu près 400 millions d'euros tous les ans pour accompagner la recherche et essayer de trouver des solutions pour permettre de passer cette transition. L'enjeu, c'est comment ces 140 millions vont être ciblés, comment ils vont être accessibles pour les chercheurs. Et là, on revient à effectivement tous ces programmes qu'on nous propose, toutes ces annonces. Et où, aujourd'hui, quand on regarde les surfaces, l'environnement, c'est beaucoup d'entreprises qui font de la recherche, des grandes et des plus petites. Accéder à ces financements pour une plus petite, c'est combien de portes à coûter, c'est combien de dossiers à apporter, c'est indésirable. Donc, on les condamne par avance. Donc, l'enjeu est pas, bien évidemment, et le montant, mais surtout l'accessibilité et comment on rend cet argent efficient. Et est-ce que l'un des objectifs à plus court terme, c'est aussi d'avoir une grande. Parce qu'on se disait il y a quelques années que les chercheurs qui travaillaient dans les organismes publics ou dans les instituts techniques, devant les difficultés de faire leur métier, ils allaient souvent de l'autre côté de la France, ils allaient travailler aux États-Unis, ils allaient travailler en Grande-Bretagne, ils allaient travailler ailleurs où les conditions étaient sans doute plus simples du point de vue sociétal. Est-ce qu'aujourd'hui on manque de bras ou est-ce qu'on a la force de frappe suffisante dans les labos publics ou privés? Est-ce que je vous poserai une autre question pour l'enseignement supérieur français? Je vais aussi parler sous le couvert de Laurent qui connaît ça encore avec moi. Aujourd'hui, on peut être fier de la recherche en France. Alors, bien évidemment, aujourd'hui on parle beaucoup de nouvelles technologies. Si on n'autorise pas les chercheurs français à accéder à ces nouvelles technologies, ils ne vont faire rien. Les talents, ils auront effectivement où ils peuvent exprimer totalement leur plein potentiel. Donc on a cet enjeu de continuer à former les talents, mais il faut pouvoir leur donner tous les moyens de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Alors, c'est que de l'enseignement et de la recherche, c'est pareil, des laboratoires publics. Aujourd'hui, on manque de bras ou pas? On manque de bras, c'est deux compétences. Effectivement, c'est une dernière réponse, on n'a pas effectivement besoin encore et qu'on a plus de poids d'avoir la qualité de la recherche en publique française sur le renouvellement de génération de chercheurs ou d'enseignants, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, qui est importante qu'on a, quand on essaie de faire des directions d'enseignement supérieur agronomique, les étudiants, les écoles qui forment des ingénieurs ou des docteurs dans les quartiers, du business, que ce soit par exemple, que ce soit en protection du milieu du cours. Je pense qu'on a un enjeu collectif et commun, c'est de promouvoir l'attractivité de formation aussi auprès des jeunes, pas nécessairement d'ailleurs du monde agricole. Et on a un plan aussi dans le cadre du pacte que le ministre a lancé en décembre dernier, de promouvoir les métiers, de promouvoir pour pouvoir attirer les meilleurs talents dans nos écoles et ainsi dans les entreprises du secteur. On a pas aujourd'hui le temps qu'on a de très belles écoles qui sont au niveau national, au niveau européen, mondial, de bon niveau. Il faut pouvoir les contacter et notamment à travers les jeunes qui vont
Laurent Duplon, j'ai bien compris les enjeux, votre vision de l'agriculture. Aujourd'hui, vous, les politiques, députés, les sénateurs, quels sont vos comportements? Est-ce que vous pouvez faire porter et entendre votre différence et cette petite musique, justement, tout ce que vous avez dit tout à l'heure avec beaucoup d'enthousiasme? Alors, cette petite musique que vous dites, moi, je la fais depuis 10 ans. J'ai été en 2018, celui qui a sorti un rapport sur la souveraineté alimentaire. Quand on vous expliquait qu'il fallait arrêter avec la pollution des premiers prix et de la moyenne gamme et faire que du haut de gamme et encore monter en gamme. C'est-à-dire qu'on avait un modèle qui était le meilleur de tout le monde et on continue encore de dire continuez de monter à l'échelle parce que de toute façon, l'avenir en France et l'avenir de l'agriculture ne peut passer que par là. J'ai eu raison trop tôt parce que j'avais annoncé il y a 6 ans. On n'y a pas de vêtements sur les écoles, sinon vous n'en pouvez pas. J'ai eu, il y a 6 ans, raison breton, puisqu'à la suite de ce rapport, j'avais dit dans ce rapport que nous avions connu, à partir de 2022-2023, une balance commerciale qui deviendra négative pour l'enlève, le vin et le spiritueux. Aujourd'hui, on y est. Ça veut dire qu'on fait rentrer plus de produits pour l'export. Ça veut dire que la France agricole, pour que nous la connaissions, est en train de disparaître. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne la main. On arrête les erreurs et qu'on les corrige. Mais en fait, vous corrigez les erreurs, c'est simple. C'est là où on a fait des interdictions qui ne sont pas interdites dans l'Europe. Il faut qu'on revienne à la main. Quand on va construire la filière des soins parce qu'on a interdit la tête à l'épine, il faut qu'on la réintroduise. Parce que c'est demain, la défense, ce n'est pas que la défense qui nous paraît pas. Avec la mutation de la sirote, on va mettre la pomme et la noisette et la foie et toute cette production qu'on met dans le forêt à petit à petit. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on prenne des risques. Qu'on arrête de s'accorder des femmes et qu'on regarde un peu sur les fonds, qu'on arrête de dire qu'on met toutes les contraintes chez nous et qu'on ouvre les portières, les frontières et les portes aux importations sans contrôler les produits parce qu'on en est totalement incapable et qu'on arrête de faire ce système qui est de croissance de notre pays qui va même plus loin que ce style européen. Alors, on va juste un mot pour continuer. Transition écologique, nous disons en début d'émission, un formidable défi pour l'agriculture. C'est un défi qui va être relevé et brillamment relevé selon vous. Est-ce que vous permettez de continuer un petit peu pour l'agriculture de l'État de l'Espagne? Je pense qu'effectivement, on a très grand compte, on a l'antilité des compétences, l'antilité des savoirs-faire. Ce qu'on demande, pourquoi un petit peu cette communication entre nous, les décisions, pour les problèmes qu'on va avoir, non pas aujourd'hui, mais dans 3 ans, dans 4 ans, et dans 6 ans. Mais l'intégralité de la ressource, je suis très convaincu, qu'elle soit financière, qu'elle soit intéressante, qu'elle soit d'opportunité, on dispose des outils. Maintenant, sur la vision, oui, on va relever ce défi de changement agroécologique. On a à notre disposition un terroir magnifique avec une diversité de. De situation, on a une grande diversité de structures financières sur le territoire. On a accès à certains outils, mais on exporte d'autres. Comme l'a dit, nous avons à renforcer notre capacité d'innovation. On n'a pas de soutien, mais on a une certaine approche en France. C'est vraiment un soutien énorme à l'activité de recherche pour le territoire qui permet de mobiliser des sommes qui sont conséquentes pour le faire. Donc, oui, soyons confiants d'être en capacité en discussion d'apporter une partie des solutions demain. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve tout le temps ici sur le plateau de Grèchement au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas, comme le disait François Mauriac, qu'il ne sert de rien à l'homme de gagner la lune s'il ne sert pas perdre la terre. Bonne journée.